pour l'hébergement des données. Étant donné que la République démocratique du Congo représente l'un des marchés les plus étendus et les plus florissants d'Afrique, avec une montée en flèche de la demande des produits et des services numériques dans les années à venir, grâce à la pose de nouveaux câbles sous-marins et le développement de réseaux terrestres par fibre dans les territoires intérieurs, Ratio Data Center, comme premier centre des données de niveau 3, choisit de contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo pour assurer sa liaison en termes de connectivité internationale et locale. La mise en œuvre concrète et pratique du plan national du numérique, vous savez, a été annoncé avec l'horizon 2025 très récemment, mais aussi qui incarne la vision du chef de l'État, qui est de doter du pays des infrastructures de pointe. Pour les ministres du numérique, Eberhard Casimir Kolengele, le gouvernement soutient ce genre d'initiative. La vision de la transformation numérique de la RDC, prônée par le chef de l'État à travers le plan national du numérique et par le gouvernement de la République à travers le programme de transformation numérique, n'est plus aujourd'hui une vue d'esprit, mais est une réalité. Et ici, nous sommes venus pour encourager et soutenir une initiative privée et nous espérons qu'il y en aura d'autres. La pose de la première pierre pour la construction de cette infrastructure numérique démontre que les secteurs attirent des grands acteurs.